Je dois vous avouer, ça fait un peu mal de voir ça. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Spreezed, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Netflix Tous nos jours parfaits, un film qui réunira Elle Fanning et Justice Smith dans un film mêlant romance et drame. Un film qui sortira le 28 février 2020 sur Netflix. Pourquoi est-ce que j'ai dit que ça m'a fait un peu mal? C'est que bon, je vous l'avoue, mon crush de célébrité, c'est Elle Fanning. Et vu que dans les images promotionnelles du film, on l'a vu embrasser Justice Smith, ça m'a fait un petit quelque chose. Quoi? Je suis pas jaloux. N'empêche que... Ah si, je suis un peu jaloux. Et en fait, ce film va raconter l'histoire de deux adolescents suicidaires qui se rencontrent et qui réapprennent à aimer la vie. Donc on va voir ça tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, réaction. Générique. Jour parfait, bande annonce, c'est parti. Salut elle. Attends, tu regardes Violette Marquis? Yep. Sa sœur est morte, non, c'est ça? Le projet des merveilles portera donc sur deux sites remarquables de l'Indiana ou plus. On peut choisir notre binôme? Mon prof de géographie nous a donné un devoir à faire. Il veut qu'on fasse un projet en binôme et j'ai vraiment aucune envie de m'y coller. Peut-être qu'il est temps de revoir du monde. Qu'est-ce que t'attends de moi? Elle est pas sociable. Parce que ça te ferait beaucoup de bien de sortir. Mais peut-être que j'en ai pas envie. On sait jamais s'il s'avère que t'aimes ça. Non, ce sera pas le cas. On va voir deux sites. C'est tout. C'est une vraie question. Ah, c'est d'après un best-seller. Être ordinaire. Alors sois pas ordinaire. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Je te trouve un peu farfelu. Il est amoureux. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un type dans mon jardin. Putain. Tu sais ce qui me plaît chez toi, Ultraviolet? Quoi? Tu es toutes les couleurs à la fois. Luminosité au max. Tu sais que tout le monde t'appelle le fêlé au lycée? Des fois, il m'arrive d'avoir envie de tout foutre en l'air. T'as contacté le groupe de soutien dont je t'avais parlé? J'aimerais que tu y réfléchisses. Là, ils sont tous les deux suicidaires. C'est une chose qui me rappelle que je suis maître de ma vie. Les gens n'aiment pas ce qui est bordélique. Ou différent. Tu sais qu'il est du genre instable? N'importe quoi. Ça fait 2 jours, je lui envoie des messages et j'ai eu aucune réponse. Il est pas facile. Il a des sautes d'humeur parfois. Où est-ce que tu vas quand Putain. Tu disparais? Dis-moi quelque chose de vrai sur toi. Et des fois, il m'arrive que je me sente un peu perdu. Les gens n'aiment pas ce qui est bordélique. Mon portable s'est éteint. Violette, tu rentres. Finch, rentre chez toi. Putain, même les parents s'y mettent, quoi. C'est un rôle. Moi, je sais que tu l'es vraiment. Je fais toujours tout foiré et je suis pas sûr de savoir comment arrêter. On peut être baigné de lumière, même aux heures les plus sombres. On peut tous être cette belle lumière. Cool. Ça a l'air cool. Vraiment très cool. Ce sera un film post-Saint-Valentin? C'est moi ou tous les films Netflix sont intéressants? J'y peux rien. Je veux voir ce film. Pas parce qu'il y a Elle Fanning, ça joue un peu. Mais parce que l'histoire semble super cool. Surtout ceux qui aiment quand ça se branche tentation suicidaire. Oh, je sais pas, ça peut raconter quelque chose d'intéressant. Surtout que c'est apparemment c'est d'après un best-seller. Et bon, apparemment ce sera pas au cinéma, donc dommage. Vraiment trop dommage que ça soit pas au cinéma. Non, ça sera
sera un bon film, je pense. Et je peux vous l'assurer, je crois que je vais l'attendre le jour de sa sortie, ce film. Comme ça, pas forcément pour elle, hein, mais pour découvrir ce film. Il a l'air vraiment très intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z. Coupez !